Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, qui dit dimanche dit thread horreur sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment pour notre thread horreur du dimanche. Je suis dans mon nouveau studio où je tourne pour que ça soit beaucoup plus agréable pour vous. Alors j'aimerais faire un décor spécial pour les threads d'horreur, un petit peu plus flippant, un petit peu plus sombre, etc. Laissez-moi juste le temps de m'installer et de créer un petit décor, etc. J'espère que ça vous plaira. Alors, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 4 histoires paranormales. Malheureusement, mon monteur est parti en vacances. Enfin, malheureusement pour moi, mais heureusement pour lui, mes skins, il a quand même droit à des vacances. Mathieu, mon monteur, est parti en vacances. Du coup, c'est moi qui vais reprendre le montage de ce thread d'horreur. Hein, 12 heures devant un ordinateur, ça m'avait absolument pas manqué. Donc, j'espère que le montage vous plaira quand même. Ne perdons pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Darkastor, Darkastor, raconte-nous une histoire. Salut Cam. Tout d'abord, accroche-toi car mes histoires, si je t'en raconte plusieurs, vont être longues. Je m'appelle Rose, j'habite en Franche-Comté et aujourd'hui j'ai 15 ans. Ma première histoire s'est passée le 6 au 7 août 2020. J'avais 13 ans à ce moment-là. Je te mets dans le contexte. J'ai beaucoup de cousins, cousines, je te donne leurs prénoms, tu comprendras plus tard pourquoi. Félicie, Émilie, Ornella, Honorine, Timothée et Gabriel. Ça fait un petit moment qu'on veut organiser une fête entre nous. Chose voulue, chose faite, comme on dit. On avait prévu tout ce qu'il fallait. Sachant qu'on habite à la campagne et que ma famille a plusieurs terrains, on avait prévu de faire la soirée barbecue en bas du chalet de ma cousine Honorine au bord de la forêt. Je vais te décrire l'endroit, nous étions au bord de la forêt en bas du chalet, sachant qu'il y a un énorme terrain entre la forêt et le chalet. Le terrain est en pente, assez chiant et long à remonter. Donc nous avions installé des tentes, etc. etc. grâce à un quad et une remorque. Donc on a fait la soirée le soir du 6 août jusqu'à très tard dans la nuit. Jusque là, tout va bien. Il faut savoir que je ne bois pas d'alcool car on m'a élevée comme ça. Mon père est musulman et ma mère est chrétienne. J'ai dormi dans ce qui s'appelle une double tente qui est une sorte d'énorme bungalow monté avec 2 petites tentes à l'intérieur. Je te mettrai une petite photo pour que tu comprennes mieux. Je dormais avec ma cousine Émilie et dans la tente en face de nous, il y avait Félicie et Ornella. Le lendemain matin, vers 8h, je me suis réveillée tranquillement. Il faut savoir que j'étais du côté de la fermeture de la tente, ce qui veut dire que si ma cousine Émilie voulait sortir, elle m'aurait forcément réveillée. Mais non, je suis seule dans ma petite tente, je regarde dans la tente d'en face, personne. Et là, je vois une ombre qui ressemble au Slenderman à travers la tente. Mais cette ombre ne reste pas immobile. Elle tourne tout autour de la tente. Je suis paralysée de peur. Je crie une première fois. Il y a quelqu'un ? Me disant que ça devait être une de mes cousines. Dès le moment où je parle, l'ombre s'est arrêtée net. Elle ne bougeait plus. Et dès que le silence revient, elle se remet à tourner autour de la tente. Donc je recommence 2 voire 3 fois à demander s'il y a quelqu'un. Je suis tétanisée, je me mets à prier. J'imagine des scénarios absurdes et j'essaye de rationaliser. Je me dis que c'est sûrement les arbres, mais les arbres ne peuvent pas marcher. J'ai oublié de préciser que plus l'ombre fait des bruits de pas, plus j'ai l'impression qu'elle me regarde à travers la tente. J'ai peur et une dernière fois je crie « Il y a quelqu'un ?» Dans la tente, en face de moi, ma cousine Félicie apparaît et je lui demande « Mais tu m'as pas entendu? Est-ce que tu l'as vu ?» Elle a dû me prendre pour une folle, même moi j'avais l'impression de l'être. Elle me dit ne pas avoir entendu quoi que ce soit et je lui demande si elle avait ses écouteurs, elle me dit qu'absolument pas. Je lui raconte alors ce que j'ai vu ou cru voir. Elle ne m'écoute qu'à moitié. Le pire, c'est que je me souviens avoir envoyé des messages à toutes mes cousines, mais aucune réponse de personne. Je ne suis pas retournée sur les lieux depuis ce jour, mais cet été, on compte refaire une soirée là-bas. Je te raconterai de nouveau si j'ai encore vécu des faits étranges là-bas. Et j'ai oublié de te dire que mes autres cousins-cousines étaient tous remontés au chalet, donc il ne restait plus que ma cousine et moi en bas, au bord de la forêt. Ok, alors déjà moi jamais j'irai au bord d'une forêt dormir entre cousins-cousines, c'est mort, c'est le fait paranormal assuré. Faut savoir que déjà t'es dans une ambiance un peu où t'es pas sereine. Si je comprends bien, ça s'est passé le matin, donc heureusement que ça s'est pas passé la nuit. Mais quand même que cette personne tourne autour de la tente, s'arrête dès qu'elle entend
un bruit et retourne et te regarde, etc. Tu nous dis qu'elle ressemble à la silhouette de Slenderman, mais ça pourrait être juste un pervers ou un tueur en série. Enfin, pas forcément quelque chose de paranormal. Alors, ça aurait pu être paranormal également, mais ça pouvait être tout simplement quelqu'un de très dangereux qui vous a observé, qui a entendu des jeunes, etc. et qui a vu que tu étais toute seule dans la tente. Voilà, moi je pense directement à ça. Après, où était ta cousine à ce moment-là? Moi je lui aurais demandé où est-ce qu'elle était, etc. C'est quand même bizarre qu'elle t'ait pas entendu, sachant que t'as crié plusieurs fois. Pareil pour les SMS que tu as envoyés, personne ne t'a répondu. Bon. En tout cas, ton histoire m'a bien fait flipper parce que moi, à ta place, j'aurais eu extrêmement peur. N'hésitez pas, comme d'habitude, mes pépites, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Darkastan, Darkastan, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, mon histoire se passe en 2021. J'avais 9 ans, donc pas forcément un âge où on confond rêve et réalité. Nous habitions un vieux village, dans une maison indépendante. Ma chambre était au premier étage qui donnait sur une vieille ruelle. Un soir d'été, ma fenêtre était ouverte, mais je sentais comme un courant d'air et j'avais froid. Avant de me coucher, je décide donc d'aller fermer le store en bambou devant la fenêtre. J'avais comme un bad feeling. Je regarde vers le bas, dans la vieille ruelle, et à quelques mètres de moi, je vois une silhouette blanche, mais floue, très difficile à décrire tellement ça semblait irréel. Je bloque, je fixe le gars, le fil du store vertical dans ma main. Je n'arrive même plus à penser, je suis juste paralysée. Il était habillé avec de vieux vêtements, une genre d'écharpe autour du cou. Il était très vieux, les cheveux mi-longs et blancs, comme la mort. Il avait une lanterne carrée à la main, le genre de lanterne à huile des films d'époque. Il marchait dans cette ruelle. J'entendais ses pas sur le gravier. Ça a été hyper rapide, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ça m'a littéralement traumatisée. Je l'ai fixé pendant à peine quelques secondes. Comme je dis plus haut, j'étais tétanisée. Rien d'étonnant quand on voit ce genre de choses. Tout de même, assez vite, je sors de ma torpeur et j'essaye de choper mes volets extérieurs sans faire de bruit. Mais là, le mec s'arrête net et me regarde droit dans les yeux. Et pas avec un regard gentil. Avec une profondeur incroyable, des yeux de colère mélangés à de la tristesse et énormément de rancœur. Je suis horrifiée, je lâche le volet, je ferme même pas ma fenêtre, je cours dans mon lit. Mais là, j'ai une espèce de peur qui s'empare de moi. Je me mets sous ma couette en murmurant « ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Et je suis persuadée, j'en ai le sentiment que le gars est à côté de moi. Je me cramponne à ma couette, morte de peur, et au bout de quelques minutes qui m'ont paru 2 heures, le sentiment s'apaise. Et je finis par m'endormir. Aujourd'hui encore, je me souviens du sentiment de peur irrépressible de cette silhouette vaporeuse et de son regard terrifiant. Oui, moi d'accord. Comment faut dire? J'ai imaginé le vieillard là. La vie de ma mère, non, on va laisser la daronne tranquille. La vie de moi, je laisse pas la fenêtre ouverte. Imagine le mec, il s'évapore, tuc tuc tuc, et il vient dans ma chambre. Même toi, t'as senti qu'il était à côté de toi. Moi, je vois son regard, mais je... Tu vois les volets là? Je fais ça, je baisse la fenêtre, je mets même mon armoire devant la fenêtre. Mes frères... C'est terrifiant ce que t'as vu, c'est terrible. En plus, qui se promène avec une lanterne comme ça, en mode année 1900? Non, ton histoire, elle m'a donné la chair de poule. Passons tout de suite, mes pépites, à la troisième histoire. Darkastan, Darkastan, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien, bien merci. Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans, tu peux citer mon nom. Mais je ne souhaite pas que les noms des lieux dans lesquels ces phénomènes se sont produits soient dits. Promis, je ne les dirai pas. Je te mettrai les noms de ces lieux entre parenthèses pour que tu puisses en avoir connaissance. Cette histoire a été vécue par mon père. Tout d'abord, dans ma famille proche, aucun d'entre nous ne croit aux activités paranormales. Mon père, depuis mon plus jeune âge, me raconte cette histoire car celle-ci l'a beaucoup marqué. Depuis toujours, mes parents partent tous les ans en vacances dans la famille de ma maman. Elle habite dans les montagnes. Il faut savoir que lorsqu'on se rend dans la famille de ma mère, nous avons pour habitude d'aller se promener au bord du lac. Donc ils prennent une route que tous les deux connaissent bien. Après avoir passé la journée au lac, ils reviennent. Entre-temps, la nuit est tombée. Il est environ 3 heures du matin.
Ah oui, il reste longtemps au lac, hein, tes parents. Les routes par lesquelles ils passent sont étroites, sinueuses et il y a beaucoup de dénivelé. Sur le chemin, il y a de nombreuses petites églises, comme des oratoires sur le bord de la route. Dans un virage, mon père, qui conduisait à allure normale, donna un grand coup de volant et se mit à crier en disant à ma mère qu'il venait d'écraser une femme qui marchait au milieu de la route. Ma mère le rassure en lui disant qu'elle n'avait vu personne sur celle-ci. Mais pour être sûr, ils sortent et s'avancent au niveau de l'endroit où mon père pensait avoir vu cette dame. Une fois à ce niveau, rien, personne. Pas un signe de vie, juste une petite chapelle sur le bord de la route. Ils rentrent dans la voiture et rentrent chez mes grands-parents. Toute la nuit, mon père repensait à cette femme vêtue d'une longue robe, marchant seule en pleine nuit sur ces routes dangereuses. Le lendemain, ils retournent ensemble au lac. De nouveau, ils rentrent à la tombée de la nuit. Mais cette fois-ci, plus tôt, car tous les deux étaient vraiment fatigués. Lorsqu'ils arrivent au niveau de la chapelle, mon père donna le même coup de volant qu'il avait donné la veille, sauf que cette fois-ci, s'il ne l'avait pas donné, il aurait pu tuer une personne, mais réellement. Car une vraie femme, dans une robe claire, se tenait debout au milieu du virage en face de cette chapelle. Encore aujourd'hui, lorsque nous passons devant cette chapelle, il y a toujours une atmosphère pesante. Nous ne trouvons aucune explication rationnelle à cette histoire. Je me suis imaginé cette femme avec cette robe claire qui est en plein milieu du virage, la nuit, donc sans lumière, en train de fixer cette chapelle au milieu de la route. Alors déjà la veille, ton père pense avoir écrasé une femme, vous retournez sur les lieux, vous ne voyez rien. Alors encore une fois, vous ne voyez rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Le monde invisible, moi j'y crois. Donc là, vous avez failli écraser une vraie femme. Alors est-ce que cet esprit, cette chose, a pris du coup une forme humaine, je sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'elle s'est matérialisée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que c'était la même femme qui, tous les soirs, est devant cette chapelle, peut-être qu'elle est morte comme ça, cette femme, et qu'elle est restée à ce niveau-là. Je sais pas, dites-moi en commentaire, essayez de m'aiguiller, mes petites pépites, me dire ce que vous en pensez. Ça fait peur. Passons tout de suite à la dernière histoire, mes petites pépites. Arcastin, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Marie, tu peux dire nos prénoms, et j'ai 21 ans. Il y a 4 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il s'appelle Mike. Il y a quelques années, mon copain a commencé à faire des paralysies du sommeil. Il voit toujours la même personne dans les coins de sa chambre. Avant lui, je n'avais pas vraiment connaissance de ce phénomène car personne de mon entourage en faisait. Bizarrement, il n'en fait jamais quand je dors avec lui. Mon copain a le sommeil facile, il s'endort très vite et facilement. À mon avis, c'est ce qui déclenche ses paralysies. À chacune de ses paralysies, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, il voit toujours la même personne au coin de sa chambre. Il m'en parlait à chaque fois que ça se passait. Et puis un jour, il se balade un peu dans ses applications sur son téléphone et il y a une note. Il regarde et il remarque plus précisément que c'est un dessin. Il ne savait pas d'où il venait car il n'y avait que lui qui avait accès à son téléphone et ne le prêtait à personne. Le jour où j'ai vu cette image, je n'étais pas avec lui, donc je ne pouvais pas être l'auteur de ce dessin. Je te montre l'image 6 juin. Cam, tu ne peux pas savoir la sueur froide qui a parcouru mon corps à ce moment-là. J'ai eu peur pour mon copain. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en direct, le dessin a été fait de manière très rapide et surtout les détails où sont placés les meubles me refroidissent encore plus. Cela ne peut pas venir de Mike, car il n'a pas le souvenir de l'avoir fait. Et il ne rigole pas avec ces choses-là. Quelquefois, quand je dors chez lui la nuit, je me sens observée. Il y a eu quelques phénomènes paranormaux, des objets qui bougent, etc. Et il faut savoir que les sœurs de Mike avaient fait un Ouija à l'étage il y a quelques années de cela. Je ne sais pas d'où vient ce dessin, ni qui l'a fait, mais voilà, je n'ai pas pu résoudre cette histoire. Dis-moi ce que tu en penses et ce que les pépites en pensent. Merci d'avoir lu mon mail. Mais c'est super flippant cette histoire. Je sais pas, tu te promènes dans ton téléphone, tu vois que t'as une note et là tu vois un dessin, mais toi t'as aucun souvenir de l'avoir fait, donc ça veut dire que... Enfin, qui l'a fait? Parce que si c'est Mike qui l'a fait, ça veut dire qu'il l'a fait comme ça pendant la nuit, pendant qu'il dormait, pendant sa paralysie du sommeil, il était en transe, il a fait un dessin. Moi je vous dis, si on avait tous une caméra dans nos chambres, je suis sûre elle filmerait des choses, mais on n'en dormirait même plus, hein. Peut-être que c'est Mike... En fait, la chose qui me viendrait à l'idée tout de suite, c'est de dire c'est Mike qui a fait le dessin.
mais il ne s'en souvient plus. Mais c'est tellement facile de dire ça, tu vois. Si lui, il nous assure qu'il n'a pas fait ce dessin, effectivement, c'est bizarre, hein. Qui est-ce qui a fait ce dessin? Qui? En plus, tu me dis que tu te sens observé chez lui la nuit, qu'il y a des phénomènes paranormaux comme des objets qui bougent, pardon. Ça, c'est pas anodin, excusez-moi. Hein. C'est juste un peu flippant, quand même. Et également que ses sœurs ont fait un Ouija à l'étage il y a quelques années. Bah voilà, ça vient de là. Je pense pas qu'il fait que des paralysies du sommeil, parce qu'encore une fois, les paralysies du sommeil, c'est explicable scientifiquement. Mais je pense que par rapport à la séance Ouija, ses sœurs ont ouvert une porte à une entité démoniaque, et le soir, vient rendre visite à Mike. Elle se met au coin de la pièce et elle le terrifie. Moi, je pense que c'est ça, parce que on peut faire des paralysies du sommeil et rien ne se passe chez soi. Toi, tu te sens observé, il y a des objets qui bougent. Non, moi, je pense plutôt que c'est une présence démoniaque qui est chez Mike à cause de la séance de Ouija. Sur ce, voilà, mes petites pépites, ce serait d'horreur est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle histoire vous a fait le plus flipper, qui vous a donné le plus de frissons. Si t'as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur toi pour me lâcher un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, c'est la famille, c'est chill, et puis franchement, ça te coûte pas un rond, donc arrête de faire le crevard. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tout le temps. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo...